Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce tuto, je vous présente ces magnifiques boules de Noël avec le fil éponge. Donc, c'est ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Donc, je vous ai fait cette taille-là. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4 rangs. Et pour ce modèle-là, il suffit de faire un rang d'augmentation. Donc, à vous de choisir quelle grandeur vous allez réaliser. On passe tout de suite au matériel dont on va avoir besoin et ensuite on passe au pas à pas. Donc pour le fil, j'utilise le Creative Bubble de chez Rico. Là, on a déjà réalisé, si vous avez suivi d'autres de mes tutos, des éponges avec le même fil. Donc aujourd'hui, on va voir comment on réalise la boule de Noël et vous pouvez bien sûr en faire de différentes tailles. Il vous suffit de continuer d'augmenter ou alors d'arrêter les augmentations et vous aurez des boules de grosseurs différentes. Donc le crochet que j'utilise, c'est un crochet numéro 4. Je ne sais pas si on voit bien. En tout cas, c'est un crochet numéro 4. Une aiguille à laine et notre paire de ciseaux. Donc, on peut passer tout de suite au pas à pas. On commence avec un cercle magique. Ensuite, on fait deux mailles en l'air qui équivaut à une première bride. À l'intérieur du cercle, on vient en faire encore 11 de façon à en avoir 12 en tout. Donc on prend notre fil, on pique à l'intérieur du cercle et on fait des brides jusqu'à en avoir 12 en tout. Donc là on en a 1, 2, 3, 4, 5. Six, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Une fois qu'on a nos 12 brides, on peut serrer notre cercle. On va joindre dans la deuxième des mailles en l'air du début du rang par une maille coulée. On redémarre avec une maille en l'air et tout de suite là, dans la première maille, voyez ici, on va faire deux brides à chaque fois. Deux brides, deux brides, deux brides. Et ça sur tout le rang. Donc une bride au même endroit, on en refait une. On va dans la maille suivante. On fait deux brides aussi. On va dans la suivante, deux brides. Donc deux brides dans chaque bride et on se retrouve à la fin du rang. Une fois qu'on a fait tout le rang, on a 24 brides en tout. On ferme par une maille coulée. On redémarre avec une maille en l'air. Dans la première maille, ici, on vient faire une bride. Dans celle d'à côté, on en fait deux. Et on alterne toujours jusqu'à la fin du rang. De façon à augmenter, on fait toujours une bride dans la maille suivante. Et dans celle d'après, deux au même endroit. Donc on le fait encore une fois ensemble. Une bride dans la suivante. On va dans celle d'à côté, deux au même endroit. On continue ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve juste après. À la fin du rang, vous devez avoir 36 brides en tout. On joint toujours par une maille coulée. On redémarre avec une maille en l'air. Au même endroit, on vient y faire
une bride. Et là, on va continuer d'augmenter. Donc, pour ce rang-là, on fait une bride. Dans la suivante, on fait une bride aussi. Et dans celle d'à côté, on en fait deux au même endroit. Et ça, c'est ce qu'on va répéter tout le rang. Une bride. Dans la suivante, une bride aussi. Et dans la troisième maille, deux brides au même endroit. On va dans celle d'à côté, on recommence, une bride et deux brides. Donc on fait ça tout le rang. On continue d'augmenter à chaque fois. Quand on a fini ce rang, on joint par une maille coulée avec le fil de notre deuxième couleur. Donc là, pour cette boule-là, je vais prendre du blanc. Donc je fais ma maille coulée. Je fais une maille en l'air. Dans la première des mailles, ici, je viens faire une maille serrée. Je fais 5 mailles serrées en tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Dans les 5 mailles l'une à côté de l'autre, hein. Les 5 premières mailles qui viennent, on fait 5 mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille, comme ça. Ensuite, on va faire une maille en l'air pour tourner. On retourne et là, on va piquer tout de suite à la base ici. Et on vient refaire une maille serrée. On va dans la maille d'à côté, une maille serrée et on travaille comme ça sur notre bande de 5 mailles serrées pour faire le haut de notre boule. Hein. Donc une maille en l'air pour tourner, on retourne et on fait à chaque fois une maille serrée dans chaque maille. Donc on continue jusqu'à avoir 5 rangs en tout. Hein. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là on peut couper notre fil. On tire. On va faire un deuxième morceau identique. Et là, on va coudre les deux morceaux ensemble. Donc pour ça, on prend quand même un fil suffisamment grand. On les met envers contre envers. On prend notre aiguille à laine et notre fil et on va pouvoir coudre donc nos deux morceaux ensemble. Donc là, je vais commencer par le gris. Vous pouvez bien sûr laisser un bon morceau de fil blanc pour coudre votre deuxième couleur. Donc on va simplement joindre les deux côtés ensemble. Donc on pique hein, dans la maille, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et on tire afin de rassembler nos deux morceaux ensemble. On fait ça tout le long. Une fois qu'on a cousu le gris, on fait la même chose avec le blanc.
On va faire maintenant donc une petite boucle si vous voulez la suspendre. Là au milieu, j'attache mon fil. Et là, je viens simplement faire 10 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 et je viens rejoindre là où j'ai piqué la première fois. Je repique et je fais tout simplement une maille coulée, je tire mon fil et voilà. Donc là, il ne nous reste plus qu'à rentrer nos petits fils et notre éponge, elle est terminée.